de présenter. Mais man, pour man, wax deug yalla Antoine, bima liré rapport cour des comptes, def ma choqué. Ndax lan? Li tax mu choqué ma té man japon na ni sax kujje politique bi lool la waron té pour mëna convoquer peut-être le premier ministre, oui, mais surtout ministre yi nga xamanteni jox nañ len gestion front bi nga xamanteni dégager nañ ko ci xexu mbass bi. Li tax ma choqué, Antoine, dañu né Sénégal mi ngi dundu ak mbass, am ñu dé, am ñu fièvre, manam fièvre dafa melni mom lañu exploiter def ay jalgat yo xamanteni c'est très choquant. Bo lire rapport cour des comptes bi, rapport bi dafa né 773 milliards lañu mobiliser ci réew mi pour xex mbass mi. Ñu né 551 milliards moy partenaire technique et financier Mamadou xam nga lu mu tek, manam ñi nga xamanteni Sénégal dafa jokkolenté ak ñom, ñi di mu nek banque mondiale, mu nek FMI, mu nek banque africaine de développement, mu nek ay réew, mu nek ay agence française de développement, coopération japonaise, USAID bu Amérique, Chine, Japon, lepp ñu bolé ko ñom ñu mobiliser 651 milliards. Ñu né nguuru Sénégal 102 milliards lu tek lañu génné. Ñu né solidarité sénégalais manam baykat bi new doole bi 1000 francs 100 francs bi mo cotiser ba les téléthon dama koy rappeler amon na xam nga groupe e-media 2S TV, 7 TV, Wolf, Africa 7, TFM, toutes les chaînes de télévision danaka wala groupe de presse de ce pays organiser nañu téléthon bolé ci cotisation secteur privé nimu yaato ak sénégalais yi nga xamanteni lélé sen loxo sax jotul sen ginaaw ginaaw ñu cotiser lu xam nga ñaata la 19 milliards 958 58 millions manam presque 20 milliards au nom de la solidarité des sénégalais. Ñu né dépenser nañu digënté 2020 ak 2021 dans le cadre de fonds force covid 740 milliards manam li dess ci dépenses yi nga xamanteni dañ ko prévoir on 33 milliards lañu dépenser wu. Oui. Bo xoussé ci rapport bi. Rapport bi dafa né mom wa cour des comptes de ñoko bind. Wa. Ñoko bind. Dañu né. Dañu né. Maangi ñew. Xam nga lolu dañu né. Non, lu doy war la parce que pour man lolu waruñ ko néwul. Dañu né wa waaw. Waaw. Ñu né ministre ñaari ministère yi nga xamanteni ñoo gëna manam duggal sen loxo ci gestion fonds bi, ministère de la santé et de l'action sociale bi nga xamanteni ca jamono ja Ablaye Diouf Sarr mo nekkon ci bop bi, madame Khemes Ngom Ndiaye nekkon directrice générale de la santé publique, tay gi mom mo wutu Ablaye Diouf Sarr. Ministère du développement communautaire de l'équité sociale et territoriale ñi nga xamanteni Mansour Faye moko jité won cour des comptes dafa né la cour constate par exemple que les délais de livraison de plusieurs marchés passés par le ministère de la santé et de l'action sociale et par le ministère du développement communautaire de l'équité sociale et territoriale n'ont pas été respectés. S'agissant du MSAS, ministère de la santé et de l'action sociale, sur un échantillon de 48 marchés, des retards de plus de 100 jours ont été relevés. Au niveau du MDCEST, manam ministère bi nga xamanteni Mansour Faye mo fa nekkon, les achats de denrées ont accusé des retards de 130 voire 170 jours. Mais il y a plus loin. Rapport bi moko constaté. Rapport bi defa né il s'y ajoute qu'au ministère de la Santé, à titre d'exemple, la dérogation au CMP, affaire au marché public, de 2014 a entraîné une absence de mise en concurrence, avec pour effet de faire bénéficier à des entreprises de parts de marché plus importantes, en concentrant des marchés sur un nombre restreint de fournisseurs. Et puis, nous dirons exemple. C'est là qu'il faut nous prêter attention. Les entreprises Medine SARL,
NKG, Sonabi et Al Nabiyou Voyage, appartenant à la même personne, nommée Madame Ndeikati Gadiaga, ont fourni en 2020 des matériels médicaux et des équipements de protection individuelle au ministère de la Santé pour un montant total de 15,578,132,877 francs CFA, correspondant à 17 marchés. Qu'est-ce que tu connais mon entreprise? Oui, oui, oui. Lolo, ben patchela, mais ben ministère bi, dañu ne tiep. Bi nga xamanteni dañ ko doon jënd pour ñu dem sédaliku ci biir réew mi gis ngeen camion yi ñu solon ki bo ba mu fess même ba président de la république dem port gis nañu photo bi sax ak vidéo bi mu taxaw ci kanamu saaku ciéb yi ñu tégglé ciéb bobu cour des comptes défané dañu surfacturé entreprise yiñ ko jox dañu surfacturé pour man li ni tégi et courbi yamul fofu defane nañu poursuivre ay dage yu bari yi nga xamanteni ñu nekk ci ministère parce que dañu saisir le ministre de la justice Ismaïla Madior Fall né nañu ubbi ay information judiciaire contre ces dage ak ñenen gis na sax yo xamanteni dañu yëngatu ci walu santé nek ay médecins. Oui. Aussi, nous avons épinglé, même vous faites qu'on nous invite quand même à l'avenir, nous avons tout yann, mais nous avons quand même des médecins qui ont été professeurs. D'ailleurs, des professeurs, wax deug yalla, nous avons que ni ngeen ci affaire bi aussi warul won démé non. Mais d'âge yi nga xamanteni won nañu ubbi information judiciaire contre ñom. Koku non seulement dañ ko war ubbi mais ñaarel bi man pour man. Il ne faut pas que nous djema peut-être condamné juste des lampistes. Ministère yi nga xamantene te bari nañu yamul rek ci ministère de la santé ak ministère solidarité amna yenen ay ministère wax nañu ministère des sports ak yenen ministère mais ñoñu non seulement assemblée nationale mom lañuy xaar ci ñom nañu fexé ñu convoquer len devant les sénégalais pour qu'ils justifient ben ñaarel bi information judiciaire yi nga xamanteni annoncé nañ ko. Ndax warna yam rek ci daaji pour man ça doit aller au delà en conclusion fond bi waxuma ko waxuloko ci buñu sukkandiko ci rapport cour des comptes dafa discréditer totalement l'administration sénégalaise c'est pourtant nak c'est extrêmement grave lolu fok ñu taxaw ci pour man motion de censure comme ñu ko waxé ku nek mën nga apprécier de la pertinence ou de l'opportunité non mais pour moi tay gi taxawayu assemblée nationale de tout bord waxuma rek opposition wala pouvoir ñom ñep war nañu mëna bolo convoquer ces ministres là pour qu'ils s'expliquent mais information judiciaire yi ñu annoncer wax deug yalla non seulement war nañ ko ubbi mais war nañu def tout pour leral mbir mi parce que 773 milliards surtout ñu né ñu jaglél ko xéxu mbass manam fébar ça veut dire quoi que Antoine que dans ce pays mën nañu exploiter ndolu nit ñi fébaro nit ñi xel yu jaxaso nit ñi pour s'enrichir. Ci xaliss bo xamanteni ay partenaires financiers et techniques ñoko jox Sénégal té ñoñu xamna duñu bay man ni ma xamé ni muy fonctionner des institutions internationales ñu né jox nañu xaliss bi ñu fiñ ko jaarale jaaru léru ak ñun suñu cotisation presque 20 milliards yi sénégalais contribuer plus 102 milliards de l'état sénégalais ñu né niñ ko gérer lérul té amna ay soupçons de détournement. Lolo pour moi c'est un sujet sérieux. Lolo, si vous avez un sujet, c'est un sujet. Lolo, moi, sujet. Moi, véritable sujet. Voilà.